Je continue avec vous. Je reste la quatrième phrase. On a déjà lu la quatrième phrase. La semaine dernière, j'ai visité le zoo avec mes parents. Donc, on a ici le verbe visiter. C'est le verbe du premier groupe, se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, comme le verbe expliquer. Comme le verbe acheter, comme le verbe jouer, danser. Donc, on a des verbes, plusieurs verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, mais il y a des autres verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, on fait attention pour ces verbes. Donc, la règle générale ici, la conjugaison de ces verbes au passé composé est formée d'un auxiliaire plus un participe passé, PP. Donc, le verbe du premier groupe au passé composé, c'est l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe conjugué. J'écris ici une remarque. Donc, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé, PC, mais on doit accorder le verbe avec le sujet. On fait l'accord toujours du verbe avec le sujet. Il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, vous faites attention, comme par exemple le verbe être, le verbe passer, le verbe retourner, le verbe arriver. Donc, il y a beaucoup de verbes. Donc, j'écris ici un exemple. Le verbe arriver. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire être. On écrit toujours l'auxiliaire au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, on conjugue l'auxiliaire être au présent. Plus le participe passé, c'est arrivé avec E accent à la fin. On élimine toujours ER et on ajoute E accent. Donc, mais on doit accorder le verbe. Par exemple, ici, on écrit E. Pourquoi on écrit ici E? Par exemple, je suis une dame, là, je suis une femme, ou là, je suis une fille. Donc, je parle, je suis arrivé. Donc, je suis féminin, donc on ajoute E pour le féminin. On a masculin, on écrit arrivé. D'accord? Tu es arrivé. Donc, on ajoute toujours E pour le féminin. Il est arrivé sans E. Elle est arrivée avec deux E. On a toujours E pour le féminin parce qu'on a ici elle. Donc, pour le singulier, on ajoute toujours E. E, E, E pour le féminin. Donc, le verbe s'accorde avec le sujet. Pour le pluriel, nous sommes arrivés avec ES. On ajoute S à la fin parce qu'on a ici le pluriel. Nous, vous êtes arrivés, S. Ils ont arrivé, S. Elles sont, arrivés, S.